À Evere, nous avons décidé d'investir dans des vélos cargo pour notre personnel, pour les commerçants, pour les associations, mais aussi pour les citoyens. Alors pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes convaincus que la mobilité douce est une alternative aux autres modes de transport. Et nous sommes aussi convaincus que notre personnel peut aussi travailler avec les vélos cargo, se déplacer au sein de la commune de manière beaucoup plus agréable. Une façon pour nous aussi d'inscrire cet objectif dans notre plan climat. 4 vélos cargo ont été achetés pour garnir la flotte au service de la promotion économique, des plantations, des événements et du service éducation. Ce projet a pu être construit grâce à des soutiens de l'Europe et de la région bruxelloise, et les différents services, les agents qui sont intéressés pour l'utilisation de ces vélos cargo vont bénéficier d'une formation spécifique, parce qu'un vélo cargo ne se conduit pas tout à fait comme un vélo. On va aller encore un petit peu plus loin et avec le soutien d'Urbike, nous allons donner la possibilité aux commerçants évérois de se familiariser avec les vélos cargo et de peut-être faire ce choix demain en faveur de la mobilité douce. Les commerçants qui sont intéressés peuvent d'ores et déjà prendre contact avec le service promotion économique qui leur donnera tous les renseignements. Je leur donne rendez-vous le 9 juin sur le parvis de la maison communale pour les tests avec des vélos cargo. Les citoyens ne sont pas oubliés, ils pourront eux aussi tester des vélos cargo dans le cadre d'un partenariat que nous avons construit avec la SBL ProVélo. 8 familles évéroises vont pouvoir utiliser pendant 2 semaines des vélos cargo et avoir une formation théorique et pratique. Rendez-vous sur le site de ProVélo à partir du 1er juillet pour les inscriptions.